Le dessin m'a donné la possibilité de rendre la beauté qui m'est donnée tous les jours. Le dessin, la peinture, mais surtout une manière d'aborder un pays merveilleux qui est la Bretagne. J'ai fait les arts déco il y a 20 ans maintenant et j'ai travaillé depuis 18 ans comme graphiste, affichiste, identité pour des entreprises et aussi un graphisme engagé, ce qui m'a permis aussi d'aller creuser des choses plus profondes en moi. Mais ces choses profondes en moi trouvent un écho vraiment beaucoup plus fort dans le pastel et la pierre noire. Deux outils en fait de dessin très profonds qui répondent vraiment à des exigences de ce pays très particulier qu'est la Bretagne. Ce travail très personnel, c'est quelque chose qui m'est donné et depuis 15 ans, je dessine vraiment beaucoup, dès que j'ai un instant. Cette expo, c'est une sélection d'œuvres que j'ai fait en Bretagne sur le thème de la mer. La mer me fascine depuis très longtemps, mais c'est pas seulement qu'une fascination, c'est aussi une rencontre qui s'est faite et depuis quelques mois. Cette rencontre s'est transformée en quelque chose de très fort, qui est celui du désir de rejoindre un corps très prestigieux dans la marine nationale, qui est celui des peintres officiels de la marine. Ça fait depuis 4 ans que j'ai la chance d'avoir rencontré des peintres de la marine plus personnellement. Ils m'ont donné envie, ils m'ont accompagné. Ils ont précisé mon travail, ils ont critiqué de manière constructive et ils ont fait naître en moi non seulement un désir, mais un véritable travail. Et c'est ce travail que je présente aujourd'hui dans cette exposition. Cette passion de la mer, elle s'appuie sur une expérience qui a déjà 25 ans maintenant. 25 ans, m'a vu par l'accueil aux Arts Déco il y a ces années-là, des professeurs exceptionnels qui m'ont accompagné. Et aujourd'hui, j'enseigne. J'enseigne le graphisme, le métier que j'ai fait en fait pendant quasiment 18 ans. Un métier que j'ai envie de continuer. J'ai pas fait le tour. Mais en revanche, je pense qu'à côté de ça est née la sœur de ce métier du graphisme et qui est peut-être plus exigeante encore, qui est celle de la peinture. Le graphisme, c'est un art de commande. Il y a toujours un client. Il y a toujours quelqu'un qui vous demande de traduire quelque chose. Et cette fois-ci, c'est la rencontre de cette traduction, mais qui n'était pas dans le cadre d'une commande. Donc j'avais la possibilité, pour une fois, d'avoir une page blanche, mais qui d'un seul coup s'imprimait comme en photographie devant moi, avec un support qui désirait en fait garder une trace de ce que je voyais. Le don de la peinture, c'est à la fois beaucoup plus profond et à la fois beaucoup plus risqué. Et c'est ce risque-là que j'avais envie de prendre aujourd'hui.